Bonjour à tous et bienvenue sur les Sim Free Play avec Jane Stewart pour cette partie numéro 6 de notre event Romantisme à la française. Notre dernière ligne droite, c'est très chaud, vous avez eu l'occasion de vous en apercevoir. Donc ici sur ma progression, je débloque les expressions romantiques avec portrait d'amoureux, fontaine, canna d'amour. Donc maintenant, eh bien, tous les éléments décoratifs sont débloqués pour avoir le château français. Il nous faut maintenant tous les acheter pour débloquer ce château. Je suis à 22 852 objets des prochains jetons de construction et je dois attendre 15h44 pour commencer mes objectifs quotidiens. En avant donc pour une longue série de ramassages. Nouvelle progression, je suis maintenant dans mes objectifs quotidiens. Je débloque 20 jetons de construction. Fabriquer un objet, c'est fait. Fabriquer 1000 objets, c'est fait aussi. Débloquer ou acheter une récompense grâce à mes jetons de construction, c'est désormais fait. Je n'ai plus qu'à utiliser une plante à récompense, gagner 10 jetons et débloquer ainsi tous mes objectifs du jour. J'obtiens 11 jetons seulement. Cette fois, eh bien, je peux valider l'ensemble de mes objectifs quotidiens, utiliser une plante, gagner 10 jetons. J'en ai eu 11 et je réalise ainsi tous les objectifs quotidiens. Je suis à 23 915 objets de mon prochain objectif, les points sociaux. Eh bien, je vais jouer le surplus de mes bougies à la roue pour un second tour. J'obtiens 25 jetons. En avant donc pour une seconde série de ramassages. Nouvelle progression, nouveaux objectifs quotidiens, je débloque 2 points sociaux. Et bien cette fois je peux valider mes objectifs, fabriquer un objet c'est fait, fabriquer 1000 objets c'est fait, débloquer la récompense c'est fait, bougie gratuite aussi, jetons gratuits aussi, il ne me reste plus qu'à utiliser une plante à récompense, ce que je vais faire tout de suite. J'obtiens 13 jetons, utiliser une plante à récompense, c'est fait, gagner 10 jetons, j'en ai eu 13, c'est fait. Je réalise ainsi tous les objectifs quotidiens du jour. Je suis maintenant à 14 678 objets des prochains jetons de construction et surtout de débloquer le château français. Je tourne une nouvelle fois ma roue avec l'excédent de bougies. J'obtiens 55 jetons. 3 jours encore d'event pour rassembler eh bien le nombre requis de poteries, de bijoux. Ça va être difficile pour les objets en verre et encore un peu plus pour les jetons de construction. Allez, en avant pour une troisième série de ramassages.
va regarder la progression. Ça y est, je débloque les 20 derniers jetons de construction. J'ai débloqué aussi la possibilité d'obtenir le château français, mais il me faudra obtenir tout les éléments décoratifs pour le débloquer. Donc fabriquer un objet, c'est fait. Fabriquer 1000 objets, c'est fait. Débloquer une récompense, eh bien, grâce à mes jetons de construction, les derniers, je débloque cette récompense. Il me reste maintenant à utiliser une plante à récompense pour boucler mes objectifs quotidiens. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je tourne ma roue avec l'excédent de bougies. Et puis, eh bien, cette fois, je vais avoir une bonne surprise. Je vais l'avoir, ce jackpot. Eh bien, forcément que là, ça fait plaisir. J'obtiens 131 jetons sur ce coup-ci. Ça, c'est vraiment très très bien, très bienvenue. Utiliser une plante à récompense, c'est fait. Gagner 10 jetons, j'en ai eu 128. C'est superbe. C'est fait. Réaliser tous les objectifs quotidiens. Eh bien, c'est fait. À la prochaine fois. Cette fois, eh bien, on va regarder ma progression. J'ai toutes mes poteries, j'ai tous mes bijoux. Il me manque quand même pas mal d'objets en verre. Alors, on va commencer à acheter les objets. Donc, par principe, moi, je commence à acheter les objets les plus chers. Donc, j'achète fontaine cadenas d'amour. J'achète portrait d'amoureux. J'achète ensuite dégustation gastronomique. Alors ici, stand de crêpes, vous voyez que je n'ai pas suffisamment d'objets en verre ni de jetons. Ici, pour les tapisseries françaises, eh bien pareil. Pareil pour le salon. Par contre, je peux acheter tout le reste, cuisine de chef, salle à manger sophistiquée, salle de bain somptueuse, suite somptueuse, ouverture décorative, ambiance française. Donc, en fait, là pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je joue le surplus de mes bougies à la roue. J'obtiens 84 jetons de construction. C'est pas mal pour cette fois. Hein, mais il faut continuer. De toutes les façons, là, pour faire le point, il manque des objets de verre. Pas mal, hein, plus de 20 000 objets de verre. Et il manque aussi des jetons de construction. Pas mal. Donc, continuer à avoir le maximum de jetons de construction. Et puis continuer surtout à avoir le maximum d'objets de verre. Voilà tout ce que nous avons à faire. À plus tard. D'œil à ma progression, 8475 objets de verre seulement, c'est catastrophique pour la suite. 291 jetons aussi, c'est très peu. Donc je remplis mes derniers objectifs quotidiens pour essayer eh bien de gagner quelques jetons de plus. Il me reste à utiliser ma plante à récompense. J'obtiens 57 jetons seulement. Utiliser une plante à récompense, eh bien, c'est fait. Gagner 10 jetons, j'en ai obtenu 20, donc c'est fait. Il me reste maintenant à débloquer une récompense. Donc, je vais donc acheter Ambiance française, le premier lot d'objets décoratifs du château, pour gagner 25 jetons de construction de plus. J'achète également Ouverture décorative, Suite somptueuse. Malheureusement, je n'ai pas assez de bougies pour la salle de bain somptueuse, donc on verra cela tout à l'heure. Je vais continuer ma récolte de bougies et de ressources. J'achète salle à manger sophistiquée,
Cuisine de chef, mais je n'ai pas assez pour le salon, les tapisseries françaises et le stand de crêpes. Mon objectif maintenant, c'est de débloquer la salle de bain, donc qui est bien en avant pour quelques petites récoltes, et puis on fait le point bientôt. Je suis plus qu'à 15h32 de la fin de l'event, donc là, on va regarder les éléments qui me manquent. Donc j'ai que 126 jetons de construction, 11588 objets de verre. Alors pour la salle de bain, cette fois, eh bien, c'est fait, je peux l'acheter, je l'achète. Il y a deux magnifiques objets quand même dans cet event. Je vous présenterai dans la vidéo prochaine tous ces objets. Donc ici, il me reste que 530 bougies à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter? Alors, la solution que vous pouvez faire pour jouer, pour arracher peut-être la victoire, eh bien, c'est de faire la méga plante à récompense. Donc, on a ce qu'il faut, donc on va l'acheter. Et on va la tourner, cette plante. Donc, vous voyez ici, vous avez le bonus de 500 jetons de construction. Je ne crois pas trop non plus, vous voyez, ça ne va pas marcher, c'est même catastrophique, là, 10 jetons seulement gagnés sur ça. Ah, mais pourquoi pas? Après, réessayer, je ne sais pas si ça vaut le coup. Réessayer, de toute façon, je ne pourrais pas acheter, allez, on retente, je ne pourrais pas acheter de toutes les façons ça avec mes points sociaux, là, c'est pas possible. Oh, c'est très nul. Oh là 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 là, ça c'est vraiment très nul. Donc voilà. Bon là, au niveau des PS, je peux plus rien faire. Donc j'ai rien gagné. C'est très moche. Ensuite, au niveau de votre plante de points sociaux, on va utiliser. Vous pouvez aussi faire ça. Allez, on dépense tout ce qu'on a, c'est pas grave. Et voilà, là aussi vous avez le bonus de 500 PS, puis le reste c'est vraiment lamentable, mais bon, allez, on tente. Qui ne risque rien n'a rien. Donc, eh bien là, pareil, 5 PS. Donc là, c'est complètement nul. Donc voilà, enfin, ça, c'était pour vous montrer les possibilités que vous avez d'arracher éventuellement cette victoire. En l'occurrence, là, eh bien, pour moi, je pense que c'est foutu. Vous voyez, j'ai même pas réussi à avoir mes points de. Enfin bon, là pour les récoltes qui me restent, il est 6h25, 18h25. Je vais quand même mettre mes Sims à ramasser le plus de bougies possible pour tenter ben, d'arracher un élément de plus. Hein, donc je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. Mais de toutes les façons, là pour moi c'est cuit. Je ne pourrai rien faire de plus. Donc je vous souhaite bonne chance. Bon jeu, on va se laisser partir sur le rêve, ce magnifique château français. Sur ma tablette, eh bien, il faut que je reste toute la nuit pour obtenir mes derniers objets de verre et arracher la victoire avant la fin du délai. Donc il me restera plus qu'une demi-heure pour arracher cette victoire. Donc je ne sais pas si eh bien ça sera possible. On verra. On verra.
En tout cas, ici, j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire. Je vous souhaite une meilleure chance que la mienne. Je suis vraiment très, 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 très déçue. Ça devient de plus en plus difficile, ces Sims Freeplay, de moins en moins gratuits. Et c'est bien dommage. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, eh bien, il faut continuer à jouer. On aura meilleure chance la prochaine fois. On a de magnifiques objets qui nous attendent dans notre boutique de décoration. Bon jeu, bon Sims.